utilisé comme une merde. Hop, ça dégage. Comment je sais pas si. Et bonjour à tous et à toutes, que vous soyez en live sur Twitch ou sur YouTube ou la vidéo YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à venir en live si vous voulez ou à aller sur YouTube si vous ne regardez pas. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la saison 22 de Apex Legends. Oui, déjà 22 saisons, ça fait un bail. Moi je sais que j'avais fait la première saison et que j'avais repris à la 9ème saison. Ouais, je crois que c'est ça. Apparemment, on a envoûté de ce que je sais une nouvelle map, des rewards. Il y a certaines armes qui ont été nerfs. Là, il bloque et là, bloque P2 armes que je suis en ce moment. Mais aussi, des armes qui ont été buff. L'R99, c'est le retour apparemment. Elle est en rouge, donc on va voir ce qu'elle va donner. On va voir, on va découvrir tout ça de ce pas. Et on verra si, dans la soirée, il y a des gens qui vont venir nous rejoindre. Et il y a déjà un événement de collection, hein. On connaît, hein, c'est respawn. Hein. Ouais, c'est sympa, c'est pas incroyable, mais c'est sympa leur truc. Les skins, Octane. Sympa, mais pas incroyable. Catalyst, sympa. En vrai, Catalyst, sympa. Bangalore, fait penser un peu à quand il y a Omar Sy qui joue dans X-Men. Ouais, bof, au moins il a pas les cheveux gras. Caustique, sympa, même si je comprends pas le principe de lui mettre une grosse boule devant. Et Revenant, il fait moins terrifiant, mais le skin est sympa. Ah, et du coup, c'est le recolor de Bangalore qu'on a face. Oh, cette gueule qu'il a. Oh, Fuse, il vient de perdre tout son charisme en un skin. Attends, ils ont mis Loba avec des couettes. Ouais, ok, l'emote. Un peu à la Assassin's Creed. On n'a pas tant de trucs que ça en vrai. Hein. Et du coup, t'as deux passes, un pass à 10€ et un pass plus cher. Ok, ok, bon. Avant d'aller en game, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en stand de tir. Elle a essayé la R99, là. Donc, en arme, on a toujours le crabeur, le bocek, le dévotion et la R99, du coup, qui est la nouvelle arme. Et... Oh! Attends, attends, je tire que dans le corps. Oh, comment à dépop à une vitesse? C'est indécent. Et si je tire 40 dans la tête? J'ai décroché une promotion et mon amélioration. Non mais les gars, c'est abusé. Ah oui, Crypto apparemment il est devenu abusé. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il est devenu abusé. Les seuls trucs qu'il pourrait ajouter d'abuser, mais pas trop, c'est que son ult, ça enlève le shield, vous savez, des personnes dans la zone et que ça lui enlève plus à lui. Ce serait genre abusé, mais ça passe. Mais le truc qui serait vraiment abusé, si c'est, je sais pas, qu'il y a un truc défensif autour de lui pendant qu'il est son drone. Pire encore qu'il devienne invisible. Là, ce serait abusé. Ah merde, sur l'allié. Oh, maintenant on voit les barres de vie des gens. Ok. Attends, je vais le finir. Je recharge. Un ennemi de moins. On continue d'avancer. Ils n'ont sans panache. Oh, oh oui. On va pouvoir tester ça. Le double... Oh, surtout qu'il y a la main point sur le double Mozambique. Faut que je trouve un deuxième Mozambique. Est-ce que je testerai pas direct avec... Si, vas-y. Je vais tester avec les P20 Breaking Ball. Ah, par contre, du coup, quand je suis sur une tiro, j'ai qu'un flingue sur les deux. C'est bon à savoir. Ah, du coup, il y a un truc qui s'est enlevé. C'est quoi le truc qui s'est enlevé? Ah, c'est un viseur. Tu peux pas mettre de viseur, du coup, quand t'as le Akimbo. Ah, il y a un ennemi au-dessus. Je recharge. Je recharge. J'en ai repéré un là-bas. Oh, l'affichage il a changé. Oh, c'était bizarre. Là, je peux tester. Y'a Kimbo. Oh là là, c'est trop bien. Oh là là, c'est trop bien.
Oh mais même à distance. Même à distance, enfin à mi-distance. Yakimbo. Oh là 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 là, mais c'est trop bien. Le problème, Yakimbo, si je peux en donner un problème, là c'était le cas, c'est que du coup je fais plus trop de droite-gauche. Genre je suis tellement focalisé à vouloir tirer avec mes deux armes que je fais pas de temps que je mets. J'avoue, j'aime bien. Ils sont juste au-dessus de moi. Adversaire repéré, danger immédiat. Oh oh, moi j'ai envie de Yakimbo. Non, j'ai pas eu le dernier. Je me cache, tu peux me raise. Bien joué. Par contre, le système de barre, c'est abusé. Hein. Mirage, il se fait nerf de fou. Parce que là, j'ai vu sa barre et ça a suivi la barre. À quoi elle a mis ses clones. Ah, il est toujours sur lui. Oh non, mais ça, faut qu'il l'enlève. C'est abusé, ça. C'est abusé de fou. Ce mirage, il sert plus à rien, du coup. Apparemment, tu peux mettre le bouclier de Gibraltar sur les batteuses. Bah attends, je vais prendre ça et essayer de trouver une batteuse. Hein. Break. Aïe. Ah ouais, j'étais un peu con. Alors, est-ce que je garde la gueule au spawn. Je garde les Akimbo, je suis bien. Je garde pas mes Akimbo, je suis mort. Je garde mes Akimbo, let's go. 2 seconds later. Y'a quelqu'un sur moi. Oh là, il s'est fait break à une vitesse, lui. Y'a toujours des types sur moi. Amélioration. Ils sont pas, ils sont en haut. Coucou. Ils sont plus en haut. Ils sont là. Allez. Je peux le faire. Dommage. C'est long en arrière, c'est long. Du quoi, les Akimbo qu'on a là. Ouais. Eh ben. Tu peux viser avec ce chaîne. Mais non. Attends, j'aime voir une amélioration sur crypto là. Ils ne vont rien pas d'appropos. Mais c'est abusé. Completely camouflage. Attention, t'es prêt. Oh, 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 oh. Regarde-moi. Bon. Regarde-moi. Attends, je... Ah ouais. Attends, mais il y a combien de boucliers de chaos Ah, c'est qu'il veut te le filer à toi ou il veut qu'on en ait un chacun là? Non, mais il y en a combien? Il y en a 3? Il y en a 3 dans le coffre. Non, mais toujours plus, frère. C'est de l'abus. 3 dans un coffre. Ah, mais c'est que peut-être que plus t'avances, plus les coffres sont abusés. Je pense que c'est la trio réanimation. Bon, on va tester. Hein. Et du coup, on est parti, mesdames et messieurs, pour tester la nouvelle map. On n'a pas pu la tester au début de ce live. Il y en a un qui vient chez moi juste là. Allez, non, vas-y pas, survie 12 secondes, s'il te plaît. Non, non, non. Fais pas, essaye pas de faire technique, je sais pas trop quoi là. Ok, il a fait un kill, c'est bien. Bon, je vais apparaître avec les Akimbo, c'est cool. Le truc point cool, c'est de réapparaître sur les autres types là. Allez, on tente le deck. C'est pas passé, c'est pas grave. Ah, va falloir qu'on aille dans la zone. Il a fait l'agonie directe. Hop, t'as ta terre. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est des mini. Ok, cool. Ta terre. Non.
Non, c'est moi qui meurs dans la zone. Ennemi tué, moins 10 secondes. Ah, quand tu tues des ennemis, ok. Ça diminue les secondes. Oh là là, oh, oh là là. Oh, c'est quoi ça? Ah, du coup, il y a bien des ballons sur la map. A few moments later. Eh merde. Le putain de mastiff qui fait 0 dégâts. Oh la haine. Oh, il allait à mort point. Donne-moi les hammer point. Plein d'endroits pour se planquer sur cette map, c'est trop bien. Je pensais que c'était de l'autre côté. Oh, ça va en vrai. Non, j'ai pas eu le temps de sortir mes akimbo. J'ai envie de voir si c'est une arène ça là. Ça m'a pas trop l'air d'être en... Non, c'est pas une arène. Oh, par contre c'est éclairé mon gars. Oh, on est casernier. Vous mettez pas de la lumière comme ça. Hop, ça dégage. J'ai tué. Introduction d'une nouvelle variable. Oh, comment je ne sais pas si. Attention. Déploiement d'une. Oh shit. On va se planquer. On va se planquer. Non. J'espère que cela vous aura plu ou cette vidéo vous a plu en fonction de où vous regardez ce format. Alors, franchement, on a mis un peu de temps à voir la nouvelle map parce qu'au début, on a pu tester, mais en dehors de la nouvelle map, du coup, on était avec Akira au début et c'était très sympathique. Hein. Les Akimbo, c'est abusé. Oh, les boucliers encore, c'est cool pour les mitrailleuses, mais les Akimbo, c'est abusé as fuck. Le hub de crypto est abusé aussi. Et la nouvelle map est très bien, elle est jolie. T'as de quoi faire plein de, du coup, de strats en bougeant et tout, les ziplines, les lieux vraiment sont différents en fonction de ce que tu vas sur la map, donc c'est vraiment cool, vraiment de quoi faire, plein de trucs à découvrir et tout, c'est vraiment sympa. Le seul truc, seul défaut, mais ça c'est pour nous, c'est que ça va être hyper dur de tout mémoriser, surtout si la map y est pas régulièrement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve du coup une prochaine fois pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Tchuss les gens et à la prochaine.